Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Super Mario Maker 2 et c'est le moment de journée fait par vous les abonnés. Let's go! The Flying Machine Bolt fait par Crevette. Crevette? Crevette? Ouais, il y a un point d'interrogation dans son nom alors. Ah. Oh. Aha. Oh. Ouais, ok. Pourquoi ils sont affectés par la gravité, ces petites bombes, et moi, je suis pas affecté par la gravité. C'est bien bizarre, oui. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ok. Ah, ça me rappelle quelque chose à la Mario Maker 1, ce truc-là, voyons donc. Hey boy, mais il faut avouer qu'elle est bien sexy, elle. Ah, ok, elle est déformée, là. Je suis plus occupé à regarder ce qui se passe à gauche de l'écran que de regarder si je vais me faire toucher par une boule de feu ou une boule de canon, voyons donc! Ok, elle est pas aussi sexy que ça en fin de compte. Je vais me faire avoir! Aidez-moi les potos! Haha! Ok, Pepito! Oh my godness! Your brothers! Woo! Ok, ils veulent plus ma peau, on dirait. Bon, écoutez, s'ils veulent plus ma peau, moi je suis content, hein? Oh! Oh, pas de fou furieux. Oh! Hey, il faut avouer que... Oh my god, attendez. Ce truc-là est joli, hein? Regardez ça! Waouh! Ok, il faut avouer que tu l'as bien fait, frérot! Infer Mario Easy fait par Elias. Je crois qu'il voulait écrire unfair, comme c'est pas légal dans ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire? Ok, ouais, je comprends ce que tu veux faire, frérot. Attendez, regardez, bloc caché, c'est ça 100%. Je m'en doutais même pas. Un autre bloc caché, regardez ça. Je m'en doutais même pas. Ce genre de niveau, je les connais trop. Regardez ça. Oh? Ok. Je vérifie s'il y a des blocs cachés à gauche, à droite, en haut, en bas, et pour l'instant, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de blocs cachés. Ah, je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas plus de blocs cachés, c'est comme... Je sens que c'est un piège. Attendez. J'ai vu les nuages en haut à droite, je me suis dit, faut pas utiliser la clé. Ah, t'as mal caché tes nuages, frérot. Tu les as trop mal cachés. Oh, maintenant, je dois... C'est quoi? Attendez, y a-t-il des blocs cachés? Ok. Oula! Oh! 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 Dès que t'as dit que... Oh! Ok, là, je vais l'avouer, tu m'as eu. Ok, les potos, regardez ce qu'il faut faire. Ceci... Pra! Merde! Oh, merde! Qu'est-ce que... si je cours non-stop... Attends. Voilà! Ben voilà! Il faut pas utiliser la clé ici, tôt! Imaginez qu'il fallait vraiment utiliser la clé. Je vous jure, je vais pleurer. Je saute partout pour voir s'il y a des blocs cachés, pour voir s'il y a des ennemis qui vont venir m'attaquer, pour voir ci, pour voir ça. Et oh non, pour que je sens que tu m'emmènes à... Oh merde. Il y a un bloc caché quelque part. Faut le trouver. Et c'est ça qui est ça. C'est pas incroyable. Ah ben attendez, quand j'y pense, on me fait souvent le coup de... Attendez. Ah ben voilà! Eh mais regardez à droite. Ah ben non, vous pouvez pas voir à droite ce qui se passe. Mais il y a des nuages. C'est à cause de ma cam, vous ne voyez rien. En fait, je vais mettre la cam en bas. Eh ben voilà. Donc vous voyez, il y a des nuages en haut à droite. Mais on me fait souvent ce coup-ci lorsque vous voulez me troll. Alors, il y a sûrement un moyen d'aller... Oh!
Et si vous me dites que ça, c'est le bon chemin, là. Pourquoi je chante des pic-pic? Pourquoi j'ai ressenti ça? Ok, ok, attendez, attendez. Je crois qu'on a la solution. Il faut juste trouver le bloc caché qui va nous permettre de gagner la partie. Je sais pas s'il faut un Yoshi. Oh, what the... Oh, wow. Oh. Oh. Ok, d'accord. Bon. Moi qui croyais que ce niveau troll était beaucoup plus simple que ça. On dirait que non. Il y a sûrement un bloc caché avec un Yoshi quelque part. Ah, ça, c'est le genre de niveau où c'est quasiment seulement les créateurs qui peuvent le terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Oh my god. Chut. Ouais, ça c'est le genre de niveau que seulement les créateurs peuvent terminer. C'est pas grave. Ok. C'est la première et dernière fois que je vais jouer ce genre de niveau parce que c'est pas très très comme, disons. Bon, en tout cas, allez. Si j'arrive pas à terminer ce niveau, j'abandonne. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez quoi? Peut-être qu'il faut descendre ici, hein? Ok. Ouais. Peut-être qu'il faut faire un saut précis pour ne pas se faire avoir par les pic-pic. Vous savez, lorsque nous sommes sur le point d'atteindre le point d'arrivée, peut-être qu'il y a un endroit où il n'y a pas de pic-pic. Si vous voyez ce que je veux dire, il faut faire un saut précis. Non, je crois pas que ce soit le cas. Hein. Oh, ça devient compliqué pour rien! What? Ouais, ça c'est le genre de niveau que seul le créateur peut le terminer. Ça se voit déjà. Ah! Oh mais... Oh! Wow! Je croyais qu'il fallait chercher un Yoshi ou une étoile ou quelque chose comme ça. Fallait juste courir vers le bas. Comme... Vous n'êtes pas sérieux. Boss Rush 3D World Final Version fait par Magnifique. Vous avez vu Ennemi? Les affaires, oui? Ah, on peut dire qu'il est magnifique. Donc, ouais, on va commencer par ce boss, je pense, puisque j'ai pas trop le choix. Je me suis fait GG, les ménés! J'ai la partie bien tout juste comme. What? Oh my god, en plus, il y a de l'eau. Wow! Oh. Ok, suis-je en train de me noyer ou bien je suis comme un poisson et je peux respirer dans l'eau? Y'a invisible! Oh! Yo, ce gars-là, c'est un cheater! C'est un hacker! Voyons donc! Ça a l'air qu'on a réussi notre coup. Thank you, thank you. On me dit d'aller à droite maintenant. En bas ici, si je comprends bien. Oh my god, ok, ouais. Wow, c'est bien long pour revenir en arrière. What the hell, bro? C'est super long. Oh non, fallait m'en douter, son shuriken était en rouge. Je veux dire, ouais, en blanc. Oh, je sais pas. Ok. Je peux pas l'attaquer, qu'est-ce que je fais? Bam! Le ninjutsu ça marche pas, ma belle, voyons donc! Je suis pas obligé d'attaquer les piranhas, c'est ça qui est cool! Là, on avance les poteaux! Non, mais ce qui est chiant, c'est que. Y'a pas de checkpoint alors! Tu meurs une fois, tu dois te recommencer? Ben, j'avoue que le nom du nouveau s'appelle Boss Rush, donc tu dois rusher les boss sans perdre une seule vie. Mais bon, laissez-moi vous dire que si je meurs ici, je vais pleurer dans mon petit coin et je vais me mettre à genoux et prier à Dieu que je ne meurs plus. Oh, what the... Oh, non, non, pépito, pépito. Ouf! Pourquoi? Reste là! Voilà! Ok, non, lui, il y a eu une mort souffrante, il faut l'avouer. Mais cette façon de tuer un boss, laissez-moi vous dire que c'est GG Bouboule.
T'as vraiment réussi ton coup, frérot, hein? Où serait-ce? Le bonhomme s'appelle Maléfique. Je sais pas si c'est un gars ou une fille. Un homme ou une femme. Mâle masculin. Féminin. Je veux dire femelle, féminin. Et j'ai complètement pris mon coup là-bas. Bon, dans tous les cas, allons-y, les potos, on va voir ce qui se passe ici. Ah, oh, je la sens déjà pas celle-là dans l'eau, là. Qu'est-ce que... Oh, oh. Oh, il faut t'avoir avec... Vite! Viens! Yeah! Attaque! What? Attendez. C'est pas comme ça qu'il faut l'attaquer, hein? Oh, ok, il faut prendre deux bonhommes et le coincer. Wow! Attendez. Reste en bas, frère. Ah ben, voilà. Ah, ok. Ah, voilà. Ça a marché cette fois-ci. Juste réussi mon coup, par chance, je vais vous l'avouer. Mais tout ce qui compte, c'est qu'on a réussi notre coup. N'est-ce pas? Mon petit Mario, il a peur. J'espère juste que tout est terminé parce que si rien n'est terminé, je suis dans le caca. Mais je crois que je vais... Attendez. Je viens ici juste pour obtenir ceci. Je l'avoue. Et peut-être que c'est une erreur, hein? Croyez-vous que c'est une erreur? J'aurais dû rentrer dans la porte et obtenir le checkpoint. Non, ok. Est-ce que je peux vous avouer quelque chose? J'étais tellement habitué de faire le même mouvement à longueur de journée que j'ai oublié de rentrer dans la porte avec ma clé. J'ai complètement oublié que j'avais la clé pour rentrer dans la porte. Parce que je vais toujours prendre le même chemin à chaque fois que je bats un boss. Et maintenant, je dois tout recommencer et tout ça, c'est pas ma faute. C'est pas incroyable. Alors, les amis, je suis de retour ici. Cette fois-ci, je vais aller là-dedans. Ce bonhomme, le créateur de ce niveau, m'a conditionné à toujours aller vers le bas. C'est fou! Oh my god. Oh, wow. Donnez-moi une seconde. Que dois-je faire? Quoi, je dois vroom-vroom? Selon vous, est-ce que je dois vroom-vroom? What? Je sais pas quoi faire! Peut-être qu'il faut vraiment aller en haut, hein? Ah! Donnez-moi une seconde. Je peux pas. Non, je peux. Y a rien à faire en haut. Oh! Wow! Ok, non, là c'est une autre histoire, frérot. Ah! J'ai complètement foiré mon coup, Pépito. Non! Reviens ici, Pépito. Ah, mais what the... Oh my god, Lord, est-ce que ça va prendre 10 ans pour pouvoir terminer ce niveau? Parce qu'on dirait que ça va prendre 10 ans. Ce bonhomme, il veut pas se faire power. Pra! Ça a juste pris un an, là, mais bon. Ah ah! Encore un autre? Ok, ça l'a touché. À un moment donné, j'avais vu un checkpoint quelque part. Pourquoi... what? Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!